Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 25e épisode du Let's Play sur Lost Sphere. Dans l'épisode précédent, on est rentré dans le palais impérial, on a rencontré l'empereur et il nous a envoyé dans les souvenirs de Kanata. On a rencontré Chrome quand il était jeune, on a rencontré l'empereur quand il était jeune. Et là, on se balade dans les souvenirs. Alors j'ai refait un petit peu la première zone de souvenirs pour voir s'il n'y avait pas quelque chose que j'avais oublié. Et là, on va enchaîner avec la deuxième zone. Donc le but c'est qu'on retrouve Kanata dans cette zone. Encore ici. Le sentiment que nous sommes plus loin dans le temps, mais ce n'est pas certain. Kanata n'est pas ici. Tu peux le savoir, Locke? Oui, et Kanata n'est pas ici. Où est-il alors? Tu as raison d'être inquiète, mais tu n'es pas perdu. Tu n'as pas encore atteint tous les souvenirs ici. Continuons. Comment peux-tu en être si sûr? L'empereur l'a dit, non? Les souvenirs de Chrome contrôlent la conscience de Kanata. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucun souvenir n'est infini. Ils ont un début et une fin. On pourrait appeler cette fin la frontière du souvenir. Je pense que c'est là qu'on trouvera la conscience de Kanata. Donc, on sait où trouver Kanata, à la frontière du souvenir. Et en effet, ce qui m'inquiète, c'est la guerre quasi certaine entre les humains et les Vorg. Que se passera-t-il si nous sommes entraînés dans les affrontements avant d'avoir atteint la frontière du souvenir? Nos esprits sont piégés dans le passé pour toujours. Nos corps inconscients dans le monde réel dépériront. Je ne serai pas ça à arriver. Hors de question. Même si mon esprit est piégé ici, mon corps ne mourra pas tant qu'il fonctionnera mécaniquement. Tu crois que l'état-major va garder un mécadroïde inerte? Je suis sûr qu'ils te mettront la casse à la première occasion. Ça me plairait pas. Laisse-le, Van. C'est pas drôle de provoquer Locke comme ça. Quoi qu'il en soit, nous devons être encore plus prudents. Évitons de prendre des risques. Tiens, c'est Ula. Oh, Lumina. Aidez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Restez calme et racontez-nous. On a besoin de votre aide. Je suis Morif, nous sommes dans le pétrin. Je suis Tungs, le professeur va être très déçu. Je suis Cibol, nous devons faire quelque chose pour la Théromite. Calmez-vous tous, commencez depuis le début. Nous sommes désolés. Le professeur nous a demandé d'aller en ville pour obtenir de la Théromite. La Théromite ne s'achète pas bêtement en ville, les gens ne comprendront jamais. C'est de l'inconscience de vous envoyer en ville dans une ville envahie par les Vorg. Pourquoi n'avez-vous pas d'escorte? Nous en avions une, mais ils ont été perdus il y a un moment. Que veux-tu faire, Lumina? Faut pas essayer ici, je vais les escorter jusqu'au laboratoire. Hey, il faut que je te rappelle ce qu'on est venu faire ici. On n'a pas le temps de s'occuper de ces types. Mais rien du tout, c'est une mauvaise idée, je pense. On ne peut pas encore risquer un conflit ouvert pour l'instant. Mais en restant discret, nous pourrions éviter beaucoup de combats. Merci, Galdra. Bon, où est-ce que vous alliez récupérer de la thermite? Chez le marchand. Non vraiment, mais où ce marchand? Il se cache quelque part dans Première Ville. La question est où? Vous n'avez pas grand-chose comme indice. J'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Cela pourrait prendre un certain temps. Souviens-toi, il faut éviter les combats. Nous devons éviter d'être repérés par les Vorg. Oui, je suis désolé. Ok, donc il est pas là. Ah, mince. Ben, tu peux pas utiliser tes dards comme dans la prison. La zone est trop grande, il pourrait faire trop de dégâts. Ça pourrait les tuer, à toi de voir. Non. Ok, on est en mode infiltration.
Je vais aller sur la petite place sur le côté pour voir. Ok. Il tourne que dans le même sens. Non. Change de zone, mais on va toujours essayer d'aller de l'autre côté. Et regardez cette personne, c'est le marchand. Oui, bien vu. Quelle chance, le professeur va pouvoir continuer ses recherches. Suis-moi, Yves, le professeur va être content. Je suis Tungs, nous vous devons une fière chandelle. Je suis Sibol, vous allez adorer l'arme sur laquelle nous travaillons. Vous savez quoi? Vous pourrez la voir dès qu'elle sera terminée. Ah, magnifique, je suis impatient de la voir. Merci à tous. Je sais à quel point vous êtes loyaux envers Chrome, mais je vais vous donner un conseil. Ne lui faites pas confiance, sinon vous le regretterez un jour. Vous avez tort, monsieur. Personne n'est plus gentil et attentionné que lui. Il cherche à nous sauver de la lune, sans rien nous demander en retour. Et Neodus ne s'éloigne jamais de lui. C'est vrai, il est toujours près de lui. Et pouvoir psychique. Si le professeur avait des pensées malveillantes, Neodus le saurait. Voilà quand nous savons que ses intentions sont pures. J'ai l'impression que votre opinion sur le professeur paraît parfait et d'arrêter. Nous revenons ici quand un souvenir se termine. Au moins nous commençons à comprendre. Regardez là-bas, un autre tourbillon. Ou un piège. Peu probable, pourquoi ce sera un piège alors que les autres n'en étaient pas? Le baron n'a pas tort. Kanata nous attend de l'autre côté. Je n'abandonnerai pas tant qu'il y aura une chance de le sauver. Donc tu dis qu'il y a une chance pour que tu abandonnes. Hein? Je suis d'accord, on doit continuer. Kanata est ici, on doit le trouver. Petite sauvegarde. Et direction, troisième souvenir. J'ai pas été très bon dans la mission infiltration, mais... Et là, y a rien. Par contre, la musique est agréable. Par contre, ça me fait un peu flipper que le professeur Chrome récupère de la théromite, sachant les dégâts qu'elle peut faire. Pourquoi mettre une zone aussi grande alors qu'il n'y a rien? Très bizarre. Ça ressemble à un laboratoire, un truc sous-marin. Enfin, ou un truc qui a besoin de beaucoup d'eau.
y a plein de gens sur la passerelle centrale, mais nous, on explore. Par contre, ils en font des kilomètres, les bonhommes. Ah, et la zone, elle est immense, elle a fait tout le tour, mais il n'y a rien. Allez. Synchronisation constante à 99,99999%. Fonctionnement optimal du port de dispersion de force de résonance. Rendement constant à 99,98,98,28%. 9828%. Nous sommes prêts. J'avais peur de votre venue. Là. Professeur Chrome. Nous devons activer le kin lunaire avant de perdre d'autres humains. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que vous... Professeur, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai toujours été clair, je veux la liberté, n'avoir aucun joug. Et avec le pouvoir de la lune entre mes mains, je serai libre, totalement libre. Je comprends pas, professeur. J'ai aussi dit que la race dominante ne devait pas se soumettre à la lune. Moi de corriger ça, moi seul serai l'être dominant de ce monde. Théodius, tu as toujours été mon préféré. Enfin, mon échec préféré. Professeur Chrome, pourquoi? Je t'ai donné des pouvoirs psychiques pour que tu me protèges. Et pour une autre raison. Pour que tu ne vois pas mes vraies pensées. Mais pourquoi? J'ai tout prévu depuis le jour de ta création. Je suis immunisé à tes pouvoirs. Tu ne voyais que ce que je voulais te montrer, un modeste savant au cœur d'or. Grâce à tes pouvoirs, mes vraies intentions sont restées secrètes. C'est impossible, je croyais en vous, j'avais foi. Tout faisait partie de votre plan, rien n'était vrai. J'ai toujours été moi et tu as toujours été toi. Tu ne pouvais juste pas le voir. Adieu Néodus, je n'y serais pas arrivé sans toi. Votre Majesté, on vous voit Chrome, on vous voit charlatan. On vous laissera pas fuir, Chrome. Fuir? Allons, je ne suis pas idiot, je n'ai pas besoin de fuir. Je vais faire ce qu'on m'a supplié de faire et activer le kiln lunaire. Bien sûr, ce n'est pas pour sauver le monde. C'est pour m'octroyer un pouvoir incommensurable. Vous allez jouer les lâches. Mais c'était juste une façade pour cacher vos véritables intentions, n'est-ce pas? Quel simplet, c'est parce que je suis un lâche que je fais ça. Et je n'ai plus à craindre d'être perdu. Je refuse d'exister comme simple souvenir condamné à l'oubli. Je ne pouvais accepter un tel sort, alors je m'en suis fait un autre. Comment ça, vous en avez fait un autre? C'est très simple, voyons. Je vais prendre ma peur et la transformer en pouvoir. Je vais devenir l'omnipotente et omnisciente lune. Comment c'est possible? Vous ne ressemblez pas du tout à la personne qu'on a rencontrée. Différent ou pas, l'être que tu vois est le vrai Chrome. Il a juste masqué sa vraie nature sous le vernis d'une innocence feinte. Sa vulgarité était le seul trait vraiment humain de cet homme. Un faible éclat d'humanité au fond d'un sombre gouffre. Et c'est au fond de ce gouffre que ses noires ambitions ont grandi. Viens-moi, Lune, que je prenne ce qui me revient. Il est perdu, échoué. Pas vraiment, tout se passe comme prévu. Pour capturer le pouvoir de la lune, il doit être perdu et ne faire qu'un avec elle. Lula, on dirait que tu étais au courant du plan de Chrome depuis le début. C'est le cas. C'est merveilleux, je ne fais plus qu'un avec la lune. Ça ressemblait à Chrome. Il est dans ma tête, sors de ma tête. Le pouvoir de création de la lune m'appartient désormais. Je transcende tout. Ah 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 ah. Tout est révélé. On sait maintenant comment tout a commencé. L'origine du pouvoir qui dévore tout. Ça devrait aller. Là, arrête le kiln lunaire. Si tu ne le fais pas, je ne ferai plus qu'un avec la lune. Qu'est-ce que tu fais, là? Arrête le kiln lunaire. Renvoie-moi dans mon corps. Là, qu'est-ce que tu attends? Appuie sur le bouton. Le professeur est en danger.
Je voulais le pouvoir de la lune, pas seulement pour surmonter mes peurs. Je voulais débarrasser le monde des guerres, créer un monde idéal, éternel. Chrome, vous dites la vérité? Ne l'écoutez pas, c'est un démon. Bien sûr, avec la lune, j'ai le pouvoir de changer ce monde. Ula, tes parents ont perdu la vie lors de la révolte des Vorgues. Je ne permettrai pas qu'une telle tragédie se reproduise. Maintenant, donne-moi ton pouvoir. Fais vite et arrête le kill de lunaire. Je comprends, Chrome, je vous crois. Là, ne faites pas ça! C'est lui qui a créé les Vorgues. Ula! Ah! C'est lui qui a créé les Vorgues et c'est à cause de lui que ses parents sont morts, moi j'aurais pas aidé. Qu'est-ce que. C'est quoi ce truc? C'était pas là avant. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Attendez, regardez mieux. Je crois que cette chose dort. Elle a l'air de dormir. Par contre, elle est moche. Tu as peut-être raison, elle a l'air d'être endormie. Mais pourquoi ici et maintenant? Penchons-nous prudemment. Oh, ça sent le combat. Allons-y. Attends, il attaque par derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Présence de matière détectée. Identification en cours. Propriété confirmée. Ganata. C'est Ganata ce truc moche? Locke, j'ai bien entendu. Ah, non. Vous avez vu ça? Oui, c'était bien Kanata, je le reconnaîtrai entre mille. Kanata! Si je ne me trompe pas, cette chose contient les souvenirs de Kanata. Je l'ai enfin trouvé. C'est parti pour Kanata. On va arracher ses souvenirs des griffes du mal et le ramener. カオスてしまうが問題ない。手加減はなしだ。全力全開でいくわ。 限界圧縮した魔力を放出する。愚かなことだ。まだまだ。 Ça va, pour le moment, il fait rien du tout. わずらわしい。 C'est quoi qui... Voilà, c'est... Item de caisse. マルチロックオン発射。
本気を出してやる。ここは任せよ。我が力に耐えられるか。 On va attendre un petit peu. Actuateur, まだまだ。ああ、いや、シモン、エルモン、モント。純粋なる力の態度。使用する。助かったよ。 ここは任せよ。我が祈りを聞け。 準備完了。動きについてくれる。まだまだ。魔力を弾丸に変換する。まだまだ。 ここは任せよ。我が力に耐えられるか。 Combien il reste de points de vie, mais item da. Avec le poison, il prend des dommages. Ok, mort instantané. Il est mort. Par contre, il me donne plein de souvenirs. Souvenirs nouvelle lune, ça c'est des nouveaux trucs que j'ai. Par contre, 60 000, je monte même pas d'un niveau quoi, c'est dingue. Nouvelle connaissance d'artefacts obtenus, gardien, paradoxe, luminosité, bestiaire. À propos de la fonction Exomex Scan, vous pouvez maintenant créer l'artefact bestiaire. Une fois que vous l'aurez construit, la fonction Exomex Scan. Mince. Bah, je sais pas pourquoi ça a pas baissé. Kanata. Et puis là. On a réussi. Il est à nouveau vivant. On a rendu ses souvenirs à Kanata ici, à la frontière du souvenir. Maintenant, c'est à lui de jouer.
qu'on est. On est revenu. J'en ai l'impression. Où est passé l'empereur? Kata, il va bien? Il est vivant? Difficile à dire, il n'est pas conscient. Je ne détecte pas de signe de vie. Je te crois pas, il peut pas mourir. On a fait tout ce qu'il fallait. On a fait tout ce qu'on a pu pour lui. Sa vie est entre ses mains désormais. Incroyable. Il s'est restauré lui-même. Non, c'est pas une résurrection. On dirait la création de la vie elle-même. Bon retour parmi nous. T'as tous tellement attendu. Tu es revenu, on dirait. Merci à tous. Kata a repris connaissance. Écoutez-moi tous. J'ai touché les souvenirs de Chrome et je comprends à présent. Tout est lié à la Lune. Kata, qu'est-ce qui arrive à la Lune? La Lune s'est arrêtée pour l'instant. La conscience de Chrome n'aurait pas pu résister à la Lune à pleine puissance. Elle en a pris le contrôle alors qu'elle a été affaiblie. Après des années de travail acharné pour y parvenir. C'est donc la conscience de Chrome qui continue à dématérialiser le monde. Ça explique pourquoi les choses disparaissent sans distinction. C'est l'œuvre de Chrome. C'est impardonnable. Il faut l'arrêter. Et nous le ferons. Notre tâche est d'empêcher la disparition du monde. Sa forme est humaine, mais n'oubliez pas qu'il a le pouvoir de la Lune. On doit être prudent. C'est une calamité à forme humaine. Pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Peut-être. Peut-être que Sa Majesté est déjà partie l'affronter. Léodus cherche aussi à stopper Chrome. Ou alors, l'empereur a une mèche avec lui. Attention à tes accusations, Barreau. Calme-toi, Galdra. L'empereur est un vorp créé par Chrome lui-même. On ne peut pas écarter la possibilité qu'il soit son allié. Barreau a raison. Nous devons au moins l'envisager. L'empereur est toujours mon seigneur, quoi que vous pensiez. Comprends ta position, Galdra. On doit aller au bout de cette histoire et ça veut dire trouver Chrome. Van. Kanata. Je ne partirai ce que je t'ai fait, je n'espère pas ton pardon. C'est l'heure de vous faire mes adieux et... Je suis content que tu aies fait ça. Pourtant, ça n'a pas dû être facile d'avoir un fardeau pareil, de faire ce choix seul. Que cette décision soit juste ou non, n'a pas d'importance pour moi. Pas d'importance, mais j'ai choisi de te tuer. Ça montre à quel point c'était important pour toi, non? J'ai été à tes côtés pendant toute cette aventure, Van, mais... Je ne t'ai jamais demandé comment je pouvais t'aider et être ton ami. Kanata, je suis le seul responsable. Donc je te le demande, tu me pardonnes? En tant qu'ami, c'est à moi de te demander pardon. J'ai souvent eu l'occasion, mais je trouvais pas les mots, ou plutôt le courage. Je suis un lâche. On l'est tous les deux, alors pourquoi ne pas chercher du courage ensemble? J'ai besoin de toi, Van. Et je veux plus jamais perdre ce qui est important. Si tu es l'espoir de ce monde, je le protégerai. Je protégerai l'espoir. Pas l'espoir. Alors, on le sera tous les deux. Marché conclu. Marché conclu. Allons stop. Allons nous occuper de Chrome. Et Locke va quitter l'équipe pour qu'on puisse reprendre Kanata quand même. Par contre, l'équipe. Ah, il faut que j'en rachète, je pense. Non, c'est bon. C'est pas un peu trop calme ici? Ouais, c'en est inquiétant.
un soldat en vue. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pff, il vient de tout cracher. Hein? Ah, c'est fugitif. Inou, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est vrai. Faut pas rester ici. Le brume va venir de la mer et on sera tous perdus. Toute la capitale impériale va être avalée. Brume? Pas le temps de discuter, je dois filer d'ici. C'est Chrome. Il a retrouvé sa forme et maintenant il... Oui, il finit ce qu'il a commencé. Il a provoqué la fin de ce monde et en créé un nouveau. Sauf que cette fois, il fera en sorte qu'il soit comme il veut. Le fou veut prendre la place de la lune et tout contrôler. Naissance et mort, création et destruction. Avec la puissance de la lune, il peut refaire le monde autant de fois qu'il veut. Aucune forme de vie, humaine ou non, ne peut lui tenir tête. La vie elle-même sera à sa merci. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire perdre l'esprit? Quelle tragédie. Notre plan est simple, on arrête Chrome et on sauve le monde. Facile à dire, Kanata. Comment allons-nous le trouver? Je sais où il est, je le sens. Chrome est au-delà de la zone perdue, loin par de la mer. Cela expliquerait pourquoi la brume arrive par la côte. Chrome a révélé sa position. Mais comment on va l'atteindre? On peut pas traverser une mer qui disparaît en bateau. Et par les airs, on peut utiliser un aérovol. Le plus rapide pour en réquisitionner un serait de demander de... demander à Sa Majesté directement. Mais j'ai peur qu'il soit déjà parti affronter Chrome. Il nous faut une autre option. Je pense que Hamatsu et Plaz sont nos meilleures chances. Ils devraient être à la rampe de lancement. Pas de temps à perdre, allons-y. Ok, bah on ira à la rampe de lancement. Dans le prochain épisode, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous allons se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lost Sphere. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!